Et bien salut tout le monde, ici Gamer51. On se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Ça fait bientôt presque une semaine que j'ai pas sorti de vidéo. Tout simplement c'est parce que je suis en train de préparer des trucs comme vous allez voir dans cette vidéo. Donc là vous allez vous dire, peut-être que vous reconnaissez ce bâtiment. Et oui, parce qu'on se retrouve encore une fois sur la Allstream Map V2 cette fois-ci. Franchement la V2 je la kiffe, je sais pas pourquoi, je suis en kiff. Donc tout simplement on va jouer dessus. Donc finalement c'était... Peut-être que la map du RP, je vais l'abandonner, vous allez bien voir dans les RP. Mais franchement, celle-ci, elle en vaut le coup. Puis franchement, les RP, en ce moment, la team n'est pas trop dispo, donc on peut pas... comment dire, on peut pas trop tourner de vidéos multi sur le RP, donc c'est un peu emmerdant, je vais un peu tout seul sur les RP. Donc bah, pour l'instant, on va faire un RP sur une petite map. Et puis peut-être faire l'arc cru, donc... ça devrait être mieux. Enfin, je vais peut-être recruter des nouveaux farmers, donc ça devrait être mieux. Donc bah c'est parti, donc aujourd'hui on se retrouve aussi avec des nouveaux modes évidemment. Donc on va essayer de les montrer. Donc là on a un John Deere, un 6630. Magnifique franchement. Rien à redire, il est super au niveau option et tout, c'est... Il y a un max de choses. Trop bien, voilà. Et aussi la petite nouveauté c'est celui-là, le 5125M. C'est John Deere, donc on peut choisir si on veut une cabine. Donc là je t'ai pris un modèle juste avec l'arceau, on va dire. Peut-être là un petit peu le balai de fer, comme vous pouvez voir. Et j'ai aussi pris le modèle tout simplement avec la cabine fermée. Franchement, il a de la gueule. Hein. Voilà, le voilà. Donc j'ai mis la masse à l'avant directement. Donc franchement, il est pas mal. Petite vitre à l'arrière, franchement, il est super bien détaillé et tout. Franchement, c'est un tracteur qui est magnifiquement détaillé. Puis bah, pour prendre l'après, j'ai pris encore un 1455, mais du site d'origine, tout simplement. Puis ouais, un vieux 1455. Donc j'ai peut-être changé, peut-être contre un international. Donc je vais voir, parce que en 12.55 par contre, parce que le 12.55 je le kiffe un peu aussi. Donc voilà, on va aller chercher de l'eau là un peu. Donc il nous faut de l'eau pour les vaches, les moutons. Comme ça ils auront de quoi boire et tout. Après de toute façon il leur faudra des bottes de paille, bottes de foin, de l'herbe. Oui, ouais, c'est un peu pareil. De l'ensilage. Donc voilà, donc là ça va être la vidéo qui va sortir un samedi, je crois, ouais. Donc voilà, donc je roule pas droit du tout, je suis carrément à gauche. Bon, allez, c'est parti. Donc voilà, donc en gros cette vidéo sortira un samedi, tout simplement, c'est pour caler un RP. Alors moi j'ai prévu un RP, mais bon, il faut que je prépare la map, donc je dis allez, pourquoi pas préparer un peu la map en jouant. Ah, puis j'ai aussi un nouveau mode que j'ai obligé de vous montrer. Je vais vous le montrer juste après. Oh, bah tiens, tant que c'est rempli. Voilà. La nouvelle machine. Peut-être pas le meilleur. Oh, le démarrage, franchement, la fumée. Peut-être pas accéléré. C'est une John Deere T70i, tout simplement. Allez, magnifique. Puis moi qui suis en kiff de John Deere, bah. Voilà, je l'adore, tout simplement. Donc, tout simplement, vachement bien faite. Donc en vue intérieure, bah c'est, tu peux, on peut ouvrir les portes, voilà. Ça c'est pour la porte aussi, on est d'accord. Ah non, même pas, c'est pour l'écran, je sais pas. Niveau le remplissage et tout, ouais c'est pas mal. On va voir si ça s'anime en vrai. Après, ouais sinon elle est bien faite. Même le démarrage, la grosse fumée noire et tout. C'est même sympathique. Enfin voilà. Donc comme ça on l'a, ça c'est du case. Là on a repris le même merlot, parce que j'ai mis la fourche en blanc. Voilà. On a pris la... classe, on l'a mis en 850 Jaguar, donc ce sera notre machine d'ensilage évidemment. J'ai repris aussi celui-là parce que vu que ça, je fais partie des John Deere, j'aurais dans le John Deere. Par contre, celui-là fait la même taille que l'autre, que le 6630. Franchement, c'est pour la même taille, sauf que la puissance qui change et tout. Donc voilà, voilà. Bah, lui, il est plein, on va aller. Donc voilà, je suis en train de préparer un peu la map. Donc je me suis dit, allez, hop, donc ça c'est fait. Sinon j'ai vu que vous avez énormément à regarder mes RP. J'avais même plus à parler, moi c'est n'importe quoi. Vous êtes énormément regardé mes RP, donc tout simplement je suis super content. Comparé à mes vidéos normales comme celle-ci que je fais, il y a un chiffre de décalage et tout simplement c'est énorme. Franchement, mon premier roleplay il est exactement à 1000 et quelques vues, 1500 presque. Et bah, tout simplement c'est super... problème, voilà. Donc en fait j'ai beaucoup basé sur du RP, le GTA et tout, j'avais dit genre on en ferait, mais bon peut-être pas maintenant parce que je vois que le RP ça marche vachement bien avec vous.
Donc on va plus faire du RP pour le moment. Hop, on voit les barrières. Voilà. Ouais, donc pour le moment ça sera plus des ouais, des RP. Puis il y aura peut-être une petite vidéo comme ça, ou alors ce sera une vidéo d'un autre jeu, mais bon. Le jeu du jeu, apparemment, j'ai un... Bah, Gamer Zero Bits, il fait du GTA sur sa chaîne en ce moment. Il fait un peu de FIFA. Ah, d'accord. Oule, c'est quoi ça? J'ai un peu de mal à comprendre. Ah, ok, quand je bouge ma chouette, en fait, ça rabaisse. Je me dis, bah merde, c'est quoi ce bug? Ok, bah en fait, c'est plutôt sympa de le découvrir à l'instant. Est-ce qu'il y a une petite animation? Ouais. Hop. Bon, on va laisser. Ah, d'accord, on peut vraiment le mettre au-dessus. Ça a été au-dessus. Je sais plus. Ah bah merde, je sais plus. Bah limite, on va le laisser comme ça. Voilà, un petit peu comme ça. C'est plus sympathique. Merde, excusez-moi, je suis dans le micro, c'est parce que je sais pas pourquoi. Il était à peu près de ma bouche, je vais écarter. Voilà. Bah limite, je vais voir cette barrière là. Puis on va laisser la barrière ouverte, hein. Là on n'est pas dans un roleplay. C'est juste histoire de remplir l'eau, donc on est à combien d'ailleurs? Hop. Ah bah encore une cube et c'est bon. Et mais en plus, ce tracteur, franchement, quand on accélère, je vais vous montrer. Donc, on va bien se placer. Quand on accélère, donc vraiment, on les voit vraiment bien, aller en arrière, en avant, franchement, j'ai... Puis tout simplement, la terre, il est plutôt sympa. J'aime bien, il y a vachement de couleurs, c'est pas mal. Il penche et tout, c'est super bien. Pour un petit tracteur, de un petit balai de ferme, c'est vachement bien. Un petit peu de jeu à l'intérieur, comme ça, je vous montre un peu. Ouais, donc je lui ai mis un bras, c'est un peu pour la déco, puis peut-être aussi il va me servir. Il fait pas le tracteur tout propre quand on regarde le petit levier pour le bras. Là. Il fait pas le tracteur propre avec la cabine et tout, c'est vraiment le machin qui traîne à l'extérieur. Hop. Qu'est-ce que c'est là-dedans? Par contre, s'il y en a qui savent où on remplit l'eau, parce que moi j'ai jamais fait gaffe, donc bah, dites-moi dans les commentaires. Et par contre, vous êtes beaucoup à me donner mes... À vous... Alors, je vais bien m'expliquer. En fait, pour ceux qui veulent essayer de rejoindre la team, tout simplement, en fait, il faut... bon, que je vais sélectionner. Hein. Il faut me dire que vous ayez farming, un bon micro, Skype, dans les commentaires. Que... Comment dire? Et en gros, ce serait plus le week-end ou le vendredi soir que je pourrais vous essayer ou un truc comme ça, ouais. Donc, ouais, ce serait plus ces jours-là. Donc, bah, si vous voulez faire partie de la team, envoyez-moi un message. Enfin, envoyez-moi votre Skype. Puis, bah, tout simplement, je vous ajouterai. Puis, on verra par la suite de ce qu'on va faire. Voilà. Je vais repasser de l'autre côté. Il penche. Je fais un truc de dans l'extracteur. Ah, puis les silos ont été refaits aussi. Je vais même pas vous faire une présentation de la map. Hein. Sinon, je crois que le reste est la même. Au niveau des champs, c'est un peu plus carré. Peut-être pas faire un steak maintenant. Pour encore bouffer. Hop. Je cherche tout ça. Ouais, apparemment, les champs sont. Je vous montrer un peu la carte. Donc, hop. Donc les champs sont un peu plus carrés, on va dire, parce que certains, franchement, ils étaient hard. Donc là, c'est un peu plus carré, il y a pas mal de semences, quand même, différentes. Au niveau des champs, des herbes... Ah, ouais, j'ai pas mis. Ah, d'accord. Bah, ouais, ça va toujours rester les mêmes. Là, c'est de l'herbe, 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 de l'herbe. Ouais, c'est toujours resté les mêmes, donc, ok. Voilà. Après, bah, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah, ça... Peut-être qu'on... Ouais. Peut-être que je bosse un peu. Le temps, il est à combien? Je sais pas combien il est. Ah, le temps, il est en... Ouais, bon, on va le laisser comme ça. Donc, par contre, je crois qu'ils sont... Ouais, ils sont pleins. Bah là, on va faire vite, c'est les moutons. Donc, je vais sortir. Ça, on en fait une dernière. Hop. Non, hop, ces touches-là. Voilà.
chercher de l'eau. Ça passe, c'est bon. Voilà, on va couper pour aller un peu plus rapide. Je vais pas faire un gros épisode. Parce que c'est pas le but, on va dire. Le but, c'est plus de préparer la meuf. Donc, j'ai pas pris du gros matériel, ça. Parce que. Enfin, quand même, quand on va dire du gros, enfin j'ai pris la charrue Amazon Willem. Par contre, si vous trouvez des charrues à me proposer, franchement, ça me ferait. C'est pas mal parce que franchement les sites d'origine, on va dire, elles me font un peu chier parce que voilà, c'est pas les charrues que je voudrais. Je voudrais des belles charrues. Ouais, donc si vous avez les charrues, surtout dites-le moi dans les commentaires, envoyez-moi les liens et puis bah vous les verrez passer dans le replay ou les vidéos comme ça, tout simplement. Bon, franchement, je sais pas. Mais en fait, des charrues qui soient pas. Ce serait pas mal des charrues qui nous sortent. Des charrues, pack des 4 lames. Peut-être 5 lames, je sais plus. Qui nous sortent aussi des. Entre les 8 et 5. Entre 8 et 4 lames, en gros, ce serait plus du 5-6 lames. Ce serait pas mal, ce serait une bonne charrue pour entre 2. Enfin voilà, des lemken et trucs comme ça, je sais pas ce qui. Mais si jamais vous en avez, dites-le moi dans les commentaires. D'ailleurs, on a même pas fermé la porte de l'autre côté. Arrête-toi. Hop. Par contre, les enclos ont été refaits. Là, il y a une porte. Enfin, il y a un grand. C'est tout ouvert, c'est plutôt pas mal. Les cochons ont été refaits. Les vaches, j'ai pas vu que c'est bougé. Non. Ça n'a pas bougé, sinon. Bon, c'est des trucs basiques. Ouais. Ça sera pas, ça se remplit pas vite quand même. Hein. Bah dis donc. Mal barré. Hein. D'accord. Bah limite, on... bah, ils en ont assez là. Je remettrai plus tard. Puis le terrain est vraiment. Il est vraiment bien défoncé, on va dire, c'est plutôt sympa. Hop. Ok, c'est quand tu veux la porte. Hop, nickel. Alors là où il y a déjà le truc. Je vais garer où, je vais garer l'eau. Donc on va le garer à sa place. Donc avec son matos. Donc il a un peu. Il a l'espèce du gros balai. La petite caisse, enfin le petit truc pour stocker. Donc là on a aussi des plateaux là, donc j'en ai pris deux différents, ça dépendra. Le gros ça va plus être pour les cubes et puis l'autre pour les ronds, balles rondes. Hop. Voilà, toi t'es à ta place. Bah donc là il nous manque quoi comme matériel à acheter. Donc on va regarder ce qu'il nous manque comme ça, vous allez voir un peu ce que vous allez voir dans les RP. Donc on a acheté ça. J'ai pas envie d'acheter de cuvalisier, je sais pourquoi. Pour m'acheter une faucheuse. Donc ça c'est minimum 1. Bah limite on tendra avec le gros, ouais. On va se prendre ça, hop, hop, hop. Hop, pareil, on prend ça. Ouais, parce que les autres sont à combien? Ouais, c'est encore plus de chou. J'ai peur de manquer un peu de chevaux. Hop, 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 hop. Pourquoi j'aime bien dire hop? Il manque un peu de matos. Oh bah limite non. On va faucher un peu. Bah la masse. On va la mettre contre le mur là. Ah il nous reste des épandeurs là-bas. Au magasin. Je sais pas quel. Je
on va commencer. Bah pas plus grand, mais... Bon, ça j'aurais pas mal de bottes. Pas de quoi donner à manger. Mais après on fera de l'ensilage. J'ai encore pas fait le tour de la map, hein. J'ai juste fait le tour de la ferme. Hop. Hop là. Bah limite je pourrais reprendre comme ça. Ouais c'est bon. Il est limite à se retourner sur tellement haut le ah limite pour aller RP on fera peut-être une ferme parce que voilà. À limite je referai une petite une après hop donc c'est là XV. Non, on va changer XV. Hop, on fait peut-être un peu de bruit. Ouais, c'est bon. On a nos petits gyrophares, mettre le régulateur. Ça tire quand même sur le denier, hein. On l'entend. Bon, je fais basique le champ, enfin, je sais pas vraiment les détails. Hein, histoire d'avoir pas mal de ballots. Voilà. Ouais, il est un peu moins ardu le chouchou. Je crois que je dis ardu. J'ai un peu du démo bizarre. Enfin, il me le reprocherait pas. J'espère pas. Oh, voilà, sinon vous êtes plus de 4600 personnes à avoir vu, à avoir visionné ma chaîne, c'est super, enfin visionné mes vidéos en tout. C'est super, vous êtes en ce moment même, quand je tourne la vidéo, 63 abonnés, c'est super cool, je monte à une vitesse de dingue, c'est grâce à vous. Je vous leur dis encore, allez voir ma vidéo spéciale 50 abonnés. Et d'ailleurs, ce rythme là, ce sera bientôt la 100 abonnés. Je peux pas te faire, c'est grâce à vous. Partagez la vidéo, abonnez-vous, voilà, likez, commentez, comme s'il y a plusieurs qui me commentent, c'est super sympa. Enfin, je suis pas un gros youtubeur, mais bon, j'essaye. C'est normal que je le devienne un jour, ça pourrait être super sympa. Mais pour l'instant, je cherche juste à avoir un petit peu d'abonnés, pas mal de personnes qui me suivent, c'est super sympa. Évoluer, c'est super sympa, franchement. C'est super cool quand on sait que, bah, à ce rythme-là, on a autant d'abonnés qui se ramènent, autant de vues, c'est super cool. On voit qu'on fait pas ça pour rien. C'est trop bien, voilà. Enfin voilà. On a déjà atteint les 18 minutes de vidéo. Bah limite vous verrez ça dans le RP, normalement ça sera peut-être rangé, ouais. Ça va bien tout prendre, ça va faire sa propre. Est-ce que je peux engager à nourrir, on va regarder ça. Oups. Oh bah ouais. Bah limite on va le laisser faire et puis bah non on va prendre une autre machine. Bon on va prendre l'autre du Nier, hop. Non, je voulais pas ça. On va y attacher quoi? Bah tout de suite l'endaineur. Oh celui-là il a pas du tout le même bruit. Mais par contre il a plus le bruit du vrai parce que je connais, j'ai beaucoup travaillé dans le vrai. Dans le 6530R. 6530 normal. J'ai beaucoup fait de travaux agricoles avec bah, le 6630. Et franchement, il a vraiment ce bruit là à peu près. Pourquoi tu n'entends pas fort son bruit? Je sais pas si vous allez entendre. Sinon, au niveau de la terre, bah, il est pas mal. Bon, ça reste basique, mais bon. C'est pas mal pour un mode. Bon, par contre, le compteur est toujours aussi buggy que l'autre. Marqué, donc on va se faire un endaineur, on va pas faner. Hop, on prend le plus gros parce que... Ouais c'est bon, c'est quand même un grand champ. Ouais, donc il y a pas mal d'argent, je vais essayer de la réduire avant l'RP.
Donc, de temps en temps, dans la RP, ça arrive que de temps en temps, je ne puisse pas ouvrir, que je ne retire pas les kilomètres heure et tout. C'est parce qu'en fait, simplement, si je le retire, et ben en fait, je peux plus ouvrir les portes des véhicules comme là, je pourrais faire. J'appuie sur 4. Bien. Je gagne pas la route, je regarde le clavier. J'appuie sur 4, là, je peux ouvrir les portes. Par exemple, si je mets pas. Si j'appuie pas. Si je mets. Pardon. Ah, merde, j'ai plus parlé. En gros, si je mets. Le truc pour retirer le kilomètre heure, le temps et tout, et ben en fait tout simplement on verra plus, enfin je pourrais plus ouvrir les portes. Donc dans la RP ça fait un peu moins bien. Donc voilà. Donc il en est où lui? Oh bah ça va, il a l'air de travailler. Oh bah ça va, il a compris. Bon, c'est un peu moins con les ouvriers, j'ai envie de dire. Bah non, on va se mettre en vue extérieure, X. Hop, on va se placer. Hop, régulateur de vitesse. Je peux te le faire moi-même parce que vu qu'il est devant lui. Quand il va aller pas rapide, famille tour, purée. Je vais me boire un café. Vas-y, pose là par un. Hop, on s'est arrêté. Poser. Trop fort. Je sais pas, on peut y aller nous. Faire un petit détourage. Bon, donc je fais beaucoup de ça dans des nages et tout, c'est parce que bah pourtant j'ai un peu que ça à faire en fait. De toute façon après on va faire plein de trucs. Ah, voilà, donc bah sur ce les amis, j'ai envie de vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Gamer51, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo, la chaîne, tout ce que vous voulez. Allez, bye bye.